Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer le signe d'une puissance d'un nombre rationnel. Premier exemple, on va déterminer le signe de la puissance moins 16 sur 9 exposant 13. Alors, la puissance est positive si sa base est positive, quel que soit l'exposant, et si la base est négative, et l'exposant perd, alors la puissance est positive. Si la base est négative et l'exposant impair, alors la puissance est négative. Alors, dans ce cas, on traite selon la base. Alors, on a la base est négative et l'exposant impair, alors la puissance est négative. Donc, cette puissance est négative. Car la base est négative et l'exposant impair. Voilà. L'exposant impair et la base est négative. Donc, la puissance est négative. Exemple 2. 7 sur moins 3 exposant 26. Alors, cette puissance est positive car la base est négative et l'exposant pair. Alors, la puissance est positive. Troisième exemple. 21 sur 4 exposant moins 9. Alors, la puissance est positive car la base est positive. Est positif. Car la base est positive. Exemple 4, moins 17 sur 21, le tout à la puissance 0. Normalement, donc cette puissance égale à 1, alors 1 est un nombre positif ou bien est une puissance positive car si on veut justifier car la base négative et l'exposant pair. Pourquoi? Parce que 0 est divisible par 2. Ou bien on peut écrire 0 sous forme de 0 fois 2 égale à 0. Alors 0 multiple 2, 2. Bien. Exemple 5 moins 45 exposant 9. Alors, cette puissance est négative car moins 45 exposant 9 et l'opposé de 45 à la puissance 9, donc qui est positif. Alors, si on a moins 45 exposant moins 9, toujours est négatif, car l'opposé, si vous voulez, l'opposé de moins 45 exposant moins 9 est 45 exposant moins 9, qui est égal à 1 sur 45, le tout à la puissance 9, qui est positif.
Alors, puisque cette puissance est positive, alors son opposé est négatif. Alors, le moins est indépendant de la base, donc le moins de la puissance totale. Donc, alors, puisque cette puissance est positive, alors si on multiplie par moins 1, on obtient moins 45 exposant à 9 qui est négatif. En résumé, si on veut déterminer le signe d'une puissance d'un nombre rationnel, A exposant n, on a deux cas. Soit la base est positive, ou bien la base est négative. Si la base est positive, automatiquement A exposant n est positif. Si la base est négative, selon l'exposant. Alors, on a deux cas possibles. Si n est pair, c'est-à-dire multiple de 2 ou bien divisible par 2. Alors, on a A exposant n est positif, c'est-à-dire la puissance est positive. Deuxième cas, si n impair, c'est-à-dire n'est pas divisible par 2, alors A exposant n est négatif, c'est-à-dire la puissance est négative. Merci. Thank you.